Yo les potes, ta forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui, on a quelques infos qui sont arrivées à droite à gauche. On va regarder tout ça ensemble. D'ailleurs, je rappelle, live vendredi sur le portail x2 où je vais essayer de choper des LR pour la première fois. Enfin, Néo LR pour la première fois. J'ai déjà eu les LR catégories, donc le Vegeta, le Vegeto et le Gogeta. Mais j'ai envie d'avoir un Neo LR, voilà, j'ai regardé sur les tickets, non, j'en ai pas eu, la dernière fois, je sais pas combien de minutes, j'en ai pas eu. Donc là, on va essayer de les avoir, et je compte sur vous pour être là, n'hésitez pas à activer le notif encore une fois, avec un invité mystère. Ça va être kiffant, ça va être le kiff, et voilà, j'espère partager ça avec vous. Déjà, alors, le Broly, hein, on a vu, on a tout spéculé sur le Broly, on a dit, ouais, il va être free to play, pas free to play, tose, il y a rien du tout. Bandai, ils sont arrivés, ils ont dit, non. Broly il est pas sorti, on va pas le sortir sur Dokkan alors que le film il est pas sorti. Du coup on a juste l'event en fait, qui est pas mal du tout parce que y a 30 niveaux dedans. On peut gagner une DS à chaque niveau et des orbes, donc il est ici. On va un peu le faire tout à l'heure, on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a pas de Broly tout simplement. Broly, la carte de Broly n'est pas disponible hein. Pour ce qui est de l'événement, voilà, on gagne quand même masse orb à chaque fois. Donc, et une DS, donc ce qui nous fait, quand vous finissez tout, un total de 30 DS. Une statue Satan de platine, si je me trompe pas. Donc, qui vaut 1 500 000 zénis. Et 4200 petites orbes de tous les types. 2400 moyennes orbes de tous les types aussi. Et 210 grandes orbes de tous les types. Donc, franchement, c'est quand même un event qui est très très bien. Mais je pense que la com de Bandai elle a mal été faite à ce niveau là. Ils nous ont teasé un truc, ils ont jamais dit qu'il y avait le perso disponible. Mais je trouve que la com a été très mal faite. Ils auraient dû préciser que c'était un event. Et qu'on est un peu déçus forcément parce qu'on s'attendait tous à jouer le Broly. Voilà tout simplement. Donc à ce niveau là voilà, un peu déçu. Alors après on a eu bon, il y a un portail qui est apparu, petite parenthèse. Il y a un portail qui est apparu, voilà, c'est ce portail-là, en gros, pack de pilaf, n'achetez pas de pack de pilaf, hein. Attendez, on va regarder vite fait, je vais vous montrer dessus, parce que c'est assez drôle, c'est risible quand même, les packs de pilaf, hein. Dans le détecteur, t'as tout le monde, t'as toute la terre, sauf les néos. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté les unités Kamehameha familiales, j'ai pas compris. D'accord, Gotenks, Golden Freezer, il y a tous les anciens Gotchiers, les nouveaux Gotchiers, il n'y a pas les Néo. Et les demi-Gotchiers aussi, donc voilà. Ça vaut pas le coup du tout, ne prenez pas ce pack là, très honnêtement. Ne prenez pas ce pack là, les packs pilaf de toute façon en général, il y en a un sur 100 000 qui sont rentables à l'achat, donc n'achetez pas ça. Attendez, on va quand même voir un détail, on va rigoler un peu. Voilà, un ticket SSR garanti donc sur le portail que vous avez vu tout à l'heure. Une médaille Kaioshin, une médaille de Kaioshin, hein, pour réveiller vos persos, hein, au cas où, quoi. 50 Grégory. Et ouais, donc en gros, il vous donne assez pour invoquer et passer le perso en UR. Voilà. Pour entraîner le perso, il passe en UR. Voilà, c'est tout. Il vous donne assez juste pour ça. Après, il y a rang 50, etc. Et attendez, on va voir quand même ce qu'il y a. Des slots de perso. Il n'y a même pas des tickets surtout. Là, c'est des slots de perso qui donnent la passe du ski. Et ils donnent des gemmes incroyables. Hein, pour montrer que ce pack il est bien incroyable, ils donnent des gemmes incroyables. Donc voilà. Comme d'hab, n'achetez pas ça, hein, surtout pas. Alors, on a eu aussi des infos sur les 250 millions de téléchargements. Donc, hop, j'ai affiché la petite image. Donc voilà, c'est sur le Twitter de Kowai. Donc merci à Dokkaner pour les infos. Donc la célébration des 250 millions de DL, apparemment, elle va arriver fin août. Donc il y aura deux parties. La première avec Goku SSJ et Freezer forme finale. Donc le Goku normalement sur Namek Super Saiyan et le Freezer final. Enfin, alors je pense que ça va être bah, ça va être le dernier Freezer, le Freezer avec la queue coupée là à la fin. Et il y en aura une deuxième partie mi-septembre où il y aura Goku et Freezer LR, donc a priori sur la même carte. Alors on sait pas si c'est le. Moi je pense que c'est les Goku et Freezer de Dragon Ball Super hein, à la fin quand ils battent Jiren. Donc je pense que maintenant on peut dire que la fin de DBS Super ça fait assez longtemps que c'est sorti, je pense que je vais spoiler la personne. Hein. À la fin quand ils finissent pour battre Jiren du coup, parce que je vois mal Goku Namek à côté de Freezer très honnêtement. Donc à savoir aussi qu'il y a le LR Grid Saiyaman 1 et 2 qui va sortir, donc celui-là de V, donc le Grid Saiyaman de Videl et de Gohan sur la même carte. Qui sera en SR disponible sur les multi-invocations tout simplement, donc tous ceux...
dont moi, qu'ils ont usé les multi-invocations pour avoir des Daikai, bah voilà, j'avais 450 000 points à mis, non, j'avais 550 000, maintenant j'en ai 20, j'ai 20 multi-amis, 40 000 points. Je sais pas comment je vais faire pour les MSP 10 et pour les débloquer, mais bon, on verra bien, tant pis, on attendra un peu. Et puis voilà pour ces informations, donc les 250 millions de DL, on les attend depuis un moment. La dernière célébration à date d'il y a un an quand même, c'était les 200 millions de DL. Je pense qu'on est à plus de 250 largement. Mais bon, ils ont sorti les 250 maintenant. Je pense qu'il y a eu un... Ils sont limités, ils ont fait exprès d'attendre un peu. Peut-être parce qu'il y avait des B Legends avant ou quelque chose comme ça pour pas trop tuer la hype dans l'œuf comme ça. Du coup, voilà, ça fait depuis un an on attend. Alors, le retour des tickets, on sait pas. On sait pas si les tickets seront là pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a. D'ailleurs, ils sont à prendre avec des pincettes. Mais c'est sûr à 100%, hein, les infos qui sont là, je peux vous garantir que c'est des infos qui sont 100% fiables. D'ailleurs, je vous mettrai le Twitter de Koei dans la description. Et celui de Dokkaner. D'ailleurs, Dokkaner qui a une appli, donc n'hésitez pas à les checker, ça fait plaisir aussi à vous aider à build les teams, etc. Et plein d'autres choses. N'hésitez pas à les checker sur Twitter dans la description. C'est une appli pour l'instant, c'est sur PC. Et puis après, ça sera sur téléphone portable. Donc ça fait plaisir si je peux promouvoir des choses bien. Ça fait un an qu'on n'a pas eu les 200 millions. C'était la dernière fois avec Freezer. Freezer. Avec Omega Shenron et Gogeta 4. J'espère qu'on va avoir le retour des tickets. C'est vrai que ça fait un an quand même. Donc, il y en a qui vont avoir des mille tickets, hein, largement, des mille tickets. Il y en a qui vont avoir des 1500 tickets. Ça va être fou, hein, s'ils mettent. Hein. Franchement, je sais pas, j'espère qu'ils le mettent, mais c'est pas dit, les gars. Donc, on sait pas si le retour des tickets ou pas sera là. Concernant l'event de Broly, alors, il n'y a aucun souci à le faire si vous partez en Team Fusion. Team End de préférence. Donc, Team Fusion, mais avec des persos End. Là, j'ai mis ça parce que je suis encore au début. Il n'y a vraiment aucun souci, vous allez rouler dessus. Alors au pire, vous prenez un Gotenks CCG 3 leader. Le tout, c'est de partir avec une team end, parce qu'elle fait plus de dégâts, donc, et en plus les team in, donc il tanque mieux. Il n'y a pas de truc spécial, normalement il va faire le taf. Si vous en avez un en ami, vous essayez de prendre un leader voilà, qui est end et qui donne au pire, au chip super, un petit 50%, un truc comme ça, et vous complétez la team. Le Gogeta ami leader, il fera tout le café, il va vous remettre les PV, il va one shot, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon là je suis au début donc c'est pas trop révélateur mais on va quand même partir dessus, je vais vous montrer un peu. Donc il passe à la forme enragée au level 30 si je me souviens bien, donc voilà, on a le Gogeta dès le début. Et puis normalement ça va tracer, hein. J'attends de voir s'il y aura les tiers, franchement c'est ça qui me hype le plus moi. Bon voilà, là, c'est le début aussi, c'est normal qu'il one shot, c'est ça qui me hype le plus moi, très honnêtement. C'est si j'ai des tickets les gars pour essayer de choper les unités que j'ai pas eu ou des petits doublons, franchement ça ferait grave plaisir. Vous voyez même au début on gagne masse orbes, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai fait le topo de tout ce qu'il y avait à gagner au niveau des orbes. C'est faites l'event, hein. Il coûte rien en ACT comme tous les Z battle. Voilà, vous franchement le petit bémol que je trouve dommage, c'est que voilà, j'aurais aimé le Broly. Après, c'est peut-être nous qu'on a un peu surinterprété la chose. Mais voilà, je pourrais pas être satisfait. Ça serait mentir de vous dire que je suis satisfait alors qu'il n'y a pas Broly. Mais en soi, l'event est très bien. À part ça, alors... bon, bah voilà, le petit contre de Gogeta 4 qui arrive. Est-ce qu'il faut économiser ses DS pour arriver... Donc à ces portails là à la fin. Alors sachant que en ce moment il y a Thalès, si vous n'avez pas encore invoqué dessus, je pense pas que ça serait judicieux d'invoquer dessus. Sauf si vraiment vous voulez Janemba et couleur. Donc vous pouvez user vos DS, sinon ça sert à rien. Franchement je pense que vous devrez garder toutes vos DS pour les portails qui arrivent fin de mois ou début de mois prochain. Un des deux. Parce qu'on sait pas à quoi ça va ressembler, mais normalement les 250 millions DL ça va être du lourd les gars. Et ça va être pire que les 3 ans. Donc, enfin, ça va être pire. Ça va être mieux que les 3 ans. Donc, je vous conseille de garder vos DS à ce niveau-là. Quoi, là, on va le one-shot encore. Parce qu'en vrai, j'ai pas de test du tout. Donc, je sais pas trop la difficulté. J'ai vu sur Twitter que c'était assez simple. Ouais, je pense qu'on va one-shot à chaque fois, en fait. Hein. Je pense qu'à chaque fois, on va one-shot. Hein. Ah non, quoique, c'est vrai, il commence à résister. Bon, après, voilà, il n'y a pas de mal au niveau du tanking. Il n'y a pas de mal au niveau du tanking, ça va aller. Bon, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas les bonus de connexion, on n'a rien encore. J'espère quand même qu'on aura pas mal de trucs.
Ça ferait grave plaisir qu'ils fassent comme ils avaient fait il y a longtemps les 5 DS par jour. Oh, ça les gars, c'était tellement le feu. Je pense qu'ils ne referont plus les trucs comme ça. Mais les 5 DS par jour, les gars, si vous vous en souvenez, je crois que c'était pour le 150 millions de DL. C'était incroyable. Chaque jour, on pouvait faire une single. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y aura sûrement un double Dokkan Fest à ce moment-là. Comme il y a eu à chaque fois. Donc, je crois Végéto Bleu et Rosé, c'était pour la même occasion. Normalement, je pense que c'est pas dit, mais après, c'est de l'interprétation hein, encore. Mais je pense qu'il y aura un double de canvas, donc 3 multi, une offerte pour les événements comme ça. Genre, il y en a un des deux, ça sera comme ça, je pense. Non, bon. Ouais, bon. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Il a acheté un crédit à 5 millions. Bon, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà pour ces petites infos. J'espère que... Que je vous ai bien informé, que je vous ai appris quelques trucs. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle live demain. Hein. N'hésitez pas à être là. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.